toi aujourd'hui. C'est une voiture de catégorie cascade, conçue pour les sauts et les vrilles, mais aussi très complète. Parfaite pour un débutant comme toi. Cette voiture est un peu cabossée. Ah putain, je me fais déjà traiter de débutant par DJ Diabolica, ça commence bien. Ah, salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay de Burnout Paradise Remastered sur PlayStation 4. Édité et développé par Electronic Arts et Criterion Studio, note de 14 sur 20, on lui change pas sa note, hein, c'est un Remastered, la même note qu'il a eu en janvier 2008, date de sortie sur PlayStation 3 et Xbox 360, sortie officielle le 16 mars 2018 et Peggy nous le déconseille au moins de 7 ans. Donc du coup pour ce gameplay découverte, je suis au tout début du jeu, je possède la Hunter Cavalry, on va de suite aller la faire réparer, donc c'est un jeu que j'ai poncé énormément, donc du coup je sais déjà à quoi m'attendre. Le remaster est plutôt bien foutu, clairement. C'est vraiment pas dégueulasse, hein. Surtout sur PS4, quoi. Je m'attendais à un remaster mais pas si ouf que ça, et puis au final ça va graphiquement, c'est bien, franchement je suis assez conquis. Quel est le principe du jeu? Pour ceux qui ne connaissent pas les Burnout, Burnout Paradise est le cinquième volet de la série, et à chaque croisement dans cette ville, inspiré de Need for Speed Underground 2, chaque croisement, chaque feu rouge est un défi. Vous avez 120 défis différents dans tout le jeu qui sont remis à zéro lorsque vous passez une nouvelle licence, un nouveau niveau de permis. On va commencer de suite avec, bah du coup, ce qui me plaît le plus, c'est le Road Rage. Donc le Road Rage, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, il va falloir faire des takedowns en fait. Et les takedowns, c'est un terme que l'on a appliqué lors de Burnout 3 sorti sur PlayStation 2. En gros, il faut que je percute des bagnoles pour les faire se crasher. Nous avons 2 minutes pour le faire, j'ai 2 takedowns, et le Road Rage s'arrêtera à la fin du chrono ou si mon véhicule est complètement détruit. Selon les véhicules et selon... Oh là là. Par contre, c'était d'une violence. C'est vraiment un jeu course arcade, franchement. Je suis pas très jeu de course, mais les Burnout et les Motorstorm sont les exceptions qui confirment ma règle, clairement. Du coup, voilà, en fonction de la durabilité, de la résistance de votre véhicule, vous aurez 3 à 4 chances, en fait, de destruction pour votre propre véhicule. Vous ne devez pas vous crasher 3 ou 4 fois, sinon, bah, du coup, le Road Rage s'arrête. C'est d'une violence, c'est incroyable. La playlist en plus est géniale, sur le fond de Guns N' Roses avec Paradise City, c'est juste ouf pour vous mettre dans l'ambiance. C'est vraiment un truc de... malade. Donc du coup voilà, contrairement à tout ce qui peut être Need for Speed ou autre, Burnout n'est pas un jeu qui obtient la licence des marques des concessions de voitures. En fait ce sont des marques complètement inventées, mais des véhicules ressemblant à certains véhicules emblématiques des jeux de course. Moi, clairement, il me tarde qu'une chose, c'est d'avoir mon permis A pour débloquer la Tempesta de chez Rossolini, inspiré, enfin, c'est un style de véhicule un petit peu mixé entre la Audi R8, la V12 Vanquish de... V12 Vintage de Aston Martin, vous voyez, un mix de ces deux bagnoles, en fait, c'est un petit peu du condensé de plusieurs caisses, et donc ça, c'est assez cool. Oh là là, quelle violence. Non, franchement, ça, par contre, si vous aimez les Burnout, et que vous vous dites, bon... Franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas de Burnout, etc. À quand le 6? Tout simplement parce que Criterion a déjà aidé les Need for Speed à en faire. Je vous rappelle que le premier Need for Speed qui a été aidé avec Criterion, qui s'appelait Criterion Games et pas Criterion Studio à ce moment-là, c'était Need for Speed Rival. Le dernier NFS, il est pas ouf du tout, je trouve. Et ce pourquoi Criterion a dit qu'ils arrêtaient d'aider NFS pour se lancer sur un prochain Burnout, dont Burnout 6 apparemment serait... en travaux actuellement, et donc ça c'est ouf. Voilà, véhicule réparé, donc du coup mon compteur de crash pour moi-même est remis à zéro. Toi bouffe, quelle violence, c'est incroyable. Donc voilà, le Road Rage c'est vraiment, c'est, attendez-vous quand même à un jeu qui est assez arcade. On n'est pas sur du jeu de voiture très réaliste, on n'est pas dans un Gran Turismo, on n'est pas dans des jeux style Forza. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, moi, Motorstorm et Burnout sont pour moi mes jeux de course préférés. Pourquoi? Parce que c'est de l'arcade au possible, ce n'est pas du tout représentatif de la réalité, c'est juste un jeu pour s'amuser clairement. Donc voilà. Ah ben je vais avoir un nouveau permis, normalement. Ah non, 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 il me reste une victoire à faire. Ben du coup, on va enchaîner avec... qu'est-ce que je pourrais bien faire? On va s'arrêter à un croisement, on va voir, comme j'ai pas débloqué tous les croisements, on va regarder en fonction des couleurs. Le Road Rage, j'ai vu de suite que c'était la petite couleur... Oh bah parfait, une course. C'était la couleur rouge bordeaux, la course c'est couleur un petit peu bleu clair.
Donc, on va y aller. Il y a 8 points d'arrivée différents dans tout Paradise City. Donc, vous allez forcément démarrer à un endroit pour arriver à un endroit A à B. Donc, du coup, on retrouve la course. Mais le road rage et la course ne sont pas les seuls modes de jeu. Vous avez aussi le mode cascade. Vous pouvez enchaîner, bien entendu, des... Vous pouvez bien sûr enchaîner des... C'est tellement violent. Des sauts, des drifts pour cumuler des points avant que le chrono ne s'arrête. Vous avez la track, aller d'un point A à un point B sans vous faire démonter par des véhicules qui sont beaucoup plus puissants que vous. Voilà, plusieurs modes à faire. Il y en a 120 en tout, des épreuves, toutes mélangées entre, comme je vous ai dit, la course, le road rage, la track, etc. Remis à zéro à chaque fois que votre permis, par exemple B, passe au permis A, etc. Et donc, pour passer d'un permis B à A, ben, il faudra avoir un certain nombre de victoires. Oui, non, mais ça je sais qu'il va falloir retourner quand les panneaux nous montrent, clignotent, nous indiquent « tournez, franchement, parce que là, c'est chaud, vous allez vous écarter du chemin ». Après, Paradise City est fait de façon à pouvoir péter certaines barrières de sécurité et trouver des raccourcis. Donc, à vous de voir en fonction si vous allez pouvoir un petit peu griller les étapes et gagner quelques secondes sur le circuit improvisé que vous allez vous faire. Donc voilà, le drift se gère assez facilement, juste un simple coup de la touche L2 pour freiner, ensuite le véhicule se met à drifter tout seul, carré étant le frein à main pour faire des arrêts beaucoup plus brutales. Il me reste 700 mètres. Et je pense que la première place elle est pour moi. Donc vous devrez faire face à 8 joueurs généralement. Mais parfois, dans une course, vous tomberez sur des courses assez particulières qui s'appellent le mano à mano, et vous serez en 1 contre 1 avec un ordinateur qui a le même véhicule que vous, mais qui sait légèrement mieux conduire que vous. Donc la difficulté reste quand même assez présente, plus vous avancerez dans le jeu, plus la difficulté sera présente, bien entendu. Mon permis est amélioré, je devrais normalement débloquer la troisième bagnole, qui c'est avec celle-là que j'ai fait pas mal d'heures dans le jeu avant de débloquer justement ma Rossolini Tempesta. Ah, d'accord. C'est la Mesquite. Ok. Donc ça, c'est une voiture de type agressif, qui est plutôt fait pour les road rage, parce qu'elle encaisse beaucoup plus de dégâts. Là, j'avais une voiture de catégorie cascade, avec le boost vert en bas. Et si c'est un boost jaune, c'est une voiture de catégorie vitesse, avec chacune leur malus et leur bonus. Donc, comme je ne l'ai pas débloqué, je vais aller chercher une track. Du coup, je vais scinder, parce que je ne sais pas du tout où se trouve la track déjà dans le jeu. Et donc, bon allez, je vous dis à de suite du coup pour lancer le mode track. Fais attention, tu es traqué. Tu es ici. Va au nord-est jusqu'à Waterfront Plaza. Bon. Du coup, je vais avoir 4,4 km à faire. Donc je suis traqué par des véhicules qui sont beaucoup plus puissants que moi, comme je vous ai dit. Il va falloir que j'y arrive en un seul morceau, mais là, c'est assez violent. Je vous ai dit, la difficulté du jeu sera présente. Plus vous avancerez dans le jeu, plus la difficulté sera croissante. C'est ça qui est plutôt sympa et qui tient en haleine le joueur. Les burn-out ont toujours été caractéristiques d'une difficulté assez évolutive, au fur et à mesure de la progression du joueur. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif. Et puis par contre, si... Oh là 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 là. Bon, premier crash pour moi, ça va être violent. Par contre, si le jeu, vous allez vous dire, ok, c'est un remaster, etc. C'était un jeu déjà qui prenait quand même une puissance assez grande sur la PlayStation 3 à l'époque. Bon, enfin, quand on parle de grosse puissance, on disait que quand ça prenait déjà plus de 6Go du système PS3, on se disait, oh mon dieu, mais c'est un jeu de gros taré. Quand on a maintenant des Killzone, des Battlefield qui dépassent les 60Go, enfin voilà. Mais celui-ci, pour votre PS4, hein, en tout cas, sur PS4, je ne sais pas pour X1, il ne vous prendra que 9Go. Oui, j'ai bien dit 9Go. Je crois qu'on a actuellement le jeu sur CD, ou même en démat. Oh là là, fais chier. Il suffit d'un coup à cette vitesse pour qu'on se fasse mais déglinguer la gueule. C'est incroyable. Du coup, voilà, on se retrouve sur l'un des plus petits jeux en espace d'occupation sur le système de stockage. Quoi. 9Go seulement, et puis encore, j'ai même regardé mes réglages, moi le jeu ne m'a pris que 7,89, enfin un truc comme ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Si je dois noter quelques points négatifs, malheureusement, je dirais que le jeu n'est qu'un jeu solo. Le seul moment où le online s'active, c'est pour battre le temps
qu'a fait un autre joueur sur une rue. Pour passer d'un boulevard à un autre, il faut juste battre ce temps en roulant à fond. C'est... Ah, la voilà, la SI7, la fameuse voiture de catégorie vitesse. Donc ça, c'est cool. Mais je vais essayer de la chercher, du coup, parce qu'elle n'est pas disponible à la casse, comme vous avez pu l'entendre. Elle est, elle se balade et il faut que je la take down, en fait, pour pouvoir la récupérer à la casse. Donc on va la chercher. Du coup, voilà, après, c'est qu'un jeu solo, malheureusement. Mais après, tout a été rajouté, hein. On a tous les DLC dans ce jeu. Il y a les 78 véhicules débloquables dans le jeu, dans le mode solo. Mais comme tous les autres véhicules de légende ont été déjà rajoutés, vous pouvez commencer le jeu avec des véhicules complètement ouf alors que vous êtes que niveau 1. Voilà. Oh, la voilà, la voilà. Allez, hop, petit coup de frein à main. Il est temps de changer de bagnole. On va aller la récupérer. Donc voilà, comme je vous ai dit, 3 véhicules de catégories différentes. La cascade, donc du coup, si je fais des sauts, des drifts, etc., je gagnerai du boost avec cette voiture. L'autre, la Meskite, par exemple, que j'avais débloqué juste précédemment, voiture type agressif, c'est quand je fais des road rage et quand je fais des takedowns, je gagne beaucoup plus de boost avec un multiplicateur. La voiture de catégorie vitesse, la SI7 que je suis en train de poursuivre actuellement, elle, il va falloir que je reste appuyé sur le boost lors des courses, et une fois que je l'aurai complètement vidé, mais que je reste appuyé sur croix et que je n'ai pas lâché le boost d'une seule microseconde, j'ai à nouveau une barre de boost qui s'active. En fait, vous voyez, c'est des voitures qui ont des capacités pour certaines étapes et qui seront moins efficaces sur d'autres épreuves du jeu. Donc voilà, bonus malus présent, et ça c'est un point positif aussi à noter dans le jeu, et ça c'est assez cool. Donc on va se rendre de suite à la casse pour aller voir cette belle SI7. Ça va être juste génial. Après, la seule façon aussi de gagner du boost, peu importe le véhicule que vous avez, vous n'avez qu'à rouler à contresens sur la voie de gauche et le boost continuera à augmenter. Donc ça c'est le gain de boost qui est universel dans ce jeu. Donc ça c'est voilà, c'est un point aussi que je me devais de vous donner. Je me suis chié de route, j'essaie de trouver un sens inverse depuis tout à l'heure. On va passer par là. Voilà. Entrons dans la décharge, qui est un peu en gros votre QG, c'est là que vous choisissez vos bagnoles, etc. Elles arriveront démontées à la casse, il suffit juste de les réparer une seule fois pour pouvoir les débloquer à nouveau. Oh oui, c'est vrai! DLC inclus, nous avons aussi les motos. Les motos, c'est vrai. Et oui, Burnout Paradise avait rajouté les motos. Ça, c'est ouf. Je pense que du coup, je vais juste prendre la moto après. Et je vais rouler juste quelques centaines de mètres et stopper, je pense, mon test gameplay ici. Parce que voilà, je vous ai montré le début du jeu. Au moins, ça me permet de... Comme ça, je vous dis, vous avez vu le début. Si le jeu vous a hypé, mais franchement, foncez. Parce que tout le reste, franchement, c'est juste ouf, quoi. C'est vraiment un jeu où est-ce que le temps, on le voit pas passer. Il est pas très très lassant comme jeu. Franchement, pour un Burnout, il est très très bien. Moi qui n'avais pas trop aimé le 4, le Revenge... J'avais adoré le 2 et le 3, le Point of Impact et le Takedown. Le 4 moins. Mais celui-là, le 5 était juste génial. Et je suis tellement fan de le revoir sur console de nouvelle génération. C'est ouf. Donc voilà, vous voyez les différents types avec les couleurs qui s'affichent avec vitesse, boost, puissance. Bon après, une fois réparé, tu seras beaucoup plus belle. Donc, les motos. Ah ouais, ouf, la vitesse de la Firehawk. Oui, on peut changer, bien sûr. Ah oui, motarde. On pouvait mettre des femmes, je me rappelle pas. Je me rappelais pas. On va mettre, donc, du coup, une petite couleur, genre, noire. Un truc sombre. Oh, c'est beau, ça. Ah oui, je me rappelle que quand je veux accélérer, d'abord il doit mettre le contact, vous voyez, c'est trop drôle. D'abord on reste appuyé sur R2 et c'est comme ça qu'il active le... quand il met le contact sur sa moto. Ah, c'est juste ouf. Et c'est par contre, ça c'est une sensation qui est complètement différente. Un gameplay mais complètement différent quand on joue sur la moto. C'est un truc de fou, clairement. On a une puissance, une adhérence, un truc de malade, c'est complètement différent et ça c'est génial. Bon, je pense que j'ai fait le tour à peu près du début de ce jeu.
J'espère du coup que mes conseils, mes informations que j'aurais pu vous apporter sur ce gameplay test découvert de Burnout Paradise Remastered sur PS4 vous aura plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Portez-vous bien tout le monde, et à ciao !